Bonjour délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis avec la délicieuse Marion Kaplan que vous reconnaissez parce que Marion est toujours par Mons et par Vaud, à travers la France, même à La Réunion la dernière fois on s'est retrouvés. Tu es passionnée d'alimentation, des thérapies quantiques et l'un de tes derniers bébés, c'est un autre livre sur l'alimentation aux éditions Thierry Surcar, sur l'alimentation paléobiotique. Alors je veux tout savoir sur le paléo, paléobiotique, microbiotique, on s'y perd. Raconte-nous, est-ce qu'on commence peut-être par dire ce que c'est la microbiote, parce que ça c'est quelque chose d'essentiel et à comprendre que peut-être on n'a pas tout à fait compris, nous en tant que consommateurs. Alors le microbiote, c'est vrai que c'est le nouveau mot pour parler de flore et surtout de flore intestinale. Donc finalement, nous ça fait des décennies qu'on parle de la flore intestinale, mais ils se sont aperçus que c'était un organe à part entière, car les bactéries et toute cette communauté qui habite ce microbiote sont plus importantes en volume que nos cellules. Et que donc, on s'est aperçu qu'il y a les cellules de notre corps et tout ce microbiote qui tapisse l'intestin. Et ce n'est pas l'intestin qui fait le boulot, mais ce microbiote, cette couche donc qui crée les villosités, qui va créer notre système immunitaire, qui va créer notre absorption ou notre malabsorption. Et on est en train de s'apercevoir que cet organe à part entière, réfléchissez bien et commencez à mémoriser ce mot microbiote, parce qu'on va en parler de plus en plus. Et on en parlait avant, mais pas en bien. Et là, apparemment, ces dernières années, c'est ça le changement maintenant. C'est vu comme quelque chose, c'est pas que des bactéries et des espèces de germs. Alors voilà, justement. Pasteur a fait du bien et beaucoup de mal. Parce que, à une époque, on a découvert un monde petit, un petit monde avec les microbes, avec les bactéries, et on connaissait pas trop leur manière de fonctionner. Alors qu'aujourd'hui, on le sait que sans ces bactéries, on meurt. Sans ces bactéries, on ne pourrait pas, on n'a pas de flore. Et cette flore, c'est comme un jardin, on en a un joli jardin derrière. Vous savez très bien que si vous voulez faire pousser des hortensias comme il y a ici, la terre doit avoir un pH légèrement acide, sinon les fleurs ne pousseraient pas. Eh bien, dans votre corps, ce pH doit être d'une certaine, plutôt alcalin d'ailleurs pour nous, pour pouvoir assimiler, parce que qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons que ingérer un animal ou un végétal entier, même si on le mâche, et on va, grâce à ce microbiote, le fragmenter en petits éléments très simples qui vont pouvoir passer dans le flux sanguin. Donc ce microbiote est en interaction avec votre cerveau, mais aussi avec votre peau, mais aussi avec toutes vos glandes. On est en train de comprendre que quand on a un problème de flore intestinale, ça peut entraîner des problèmes cardiaques. Or, on a toujours lié l'alimentation seulement au tube digestif. Or, l'alimentation, aujourd'hui, on le sait qu'elle affecte nos neurones. On sait que ce microbiote, c'est lui qui va fabriquer vos petits médicaments pour être de bonne humeur, c'est-à-dire la sérotonine. Il le fabrique lui-même à partir de l'alimentation, mais avec la contribution de ce microbiote, c'est-à-dire des bactéries, des parasites, des virus, il y a plein de choses là-dedans. Et que grâce à cette fabrication dans l'intestin, ben vous allez être de bonne humeur ou alors dépressif. On revient aux travaux du docteur Natasha Campbell McBride, mais aussi du professeur Luc Montagnier qui travaille là-dessus sur les enfants autistes. Eh bien, tout se passe dans l'intestin. Alors ça réagit donc, et ça va plus ou moins se développer ou plus ou moins bien se passer en fonction de ce qu'on va manger, d'où le régime paléobiotique que tu proposes, qui est pour toi le régime du futur. Là on n'est plus dans le paléo, parce que tu nous parles de nos ancêtres n'avaient pas le même style de vie. Là on se dit oui, mais on vit dans une ère complètement différente, pourquoi Marion revient avec son paléo, qu'est-ce qui se passe finalement, boire plus, manger moins, faire attention à ci, à ça, c'est assez classique, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à un autre régime? Alors, régime alimentaire, entre guillemets, façon de manger. Ça fait 60 ans que rien ne va plus et ça fait 30 ans qu'on a vraiment glissé. On s'est laissé faire. On s'est laissé faire par la pub, on s'est laissé faire par les lobbies. J'espère qu'on peut en parler chez toi. Vas-y. De toute façon, aux éditions Soucar, je crois que... Parce qu'on nous a invités à croire que sans l'industrie agroalimentaire, on ne pourrait pas se nourrir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ouvrez des sachets que vous mettez au four à micro-ondes, ce qui inverse la polarité et détruit complètement, je dirais, la cohérence de l'aliment. On mange du gluten, alors à tire-larigot, parce qu'aujourd'hui, la base de l'alimentation, c'est le blé.
on fera une autre vidéo sur le gluten spécifiquement, parce que je sais à quel point c'est important et c'est un gros, gros sujet en ce moment. Mais le paléo, biotique. Donc on développera le blé tout à l'heure, mais le paléo, c'était il y a moins 12 000 ans, puisque entre l'homme de Cro-Magnon, il y a plusieurs millions d'années, et moins 12 000, c'est-à-dire pendant plusieurs millions d'années, l'être humain a mangé les mêmes aliments, c'est-à-dire 70% de végétaux. Donc on est dans un régime végétarien, mais aussi avec de la viande. Mais quand je dis la viande, je ne dis pas la viande. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire de la viande. Quelle viande ? Comment les bêtes ont été nourries ? Parce que si tu nourris une vache avec du blé, avec du maïs, avec du soja, sa chair, qui n'est absolument pas faite pour ça, la vache est un mangeur d'herbe, c'est un herbivore, c'est pas un granivore. Eh bien, cette vache va être en inflammation, c'est d'ailleurs pour ça qu'on va lui donner des antibiotiques parce qu'elles sont malades, mais elle va se mettre plein de graisse et sa viande va contenir des oméga 6 qui sont pro-inflammatoires. Non seulement sa viande, mais son lait. Donc tout ce qui vient de la vache aujourd'hui, si elle n'est pas élevée en herbage, est toxique. D'ailleurs, l'OMS a étiqueté la viande de vache comme cancérigène. Ça a été le scandale des derniers mois. Hein. Mais pourquoi ? Parce que les vaches ne sont plus nourries selon leur espèce. Nous sommes également une espèce, mais nous sommes en bout de chaîne. Ça m'a surpris dans ton livre de voir que tu n'étais pas pour des régimes végétariens ou principalement végétariens ou végétaliens d'ailleurs. Alors je m'explique. C'est pour ça que je l'ai appelé paléobiotique. Parce qu'on a chacun un microbiote. Sur 7 milliards d'individus, il y a 7 milliards de microbiotes. Nous avons tous une communauté de bactéries. Nous sommes tous le président de la République de notre microbiote. Et donc, selon la nourriture qu'on nous a donnée quand on était petit, selon comment notre mère nous a porté, selon les habitudes ancestrales de nos aïeux, tout cela va créer votre propre microbiote, selon que vous êtes né par césarienne ou non, selon que votre mère avait plein d'amalgames dentaires ou mangeait plein de sucre. La flore buccale de la maman et... Ça, c'est les derniers travaux que le docteur Donatini m'a confiés sous forme d'avant-propos. Eh bien, il semblerait que la flore buccale de la mère ensemence déjà in utero, c'est-à-dire dans le placenta, la flore de l'enfant. Déjà, bien sûr qu'il va y avoir la flore de la naissance, mais il a déjà une flore in utero. Et ce qui est très intéressant pour les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui font des FIV survivants, qui échouent, qui font des fausses couches, etc., eh bien c'est souvent que leur flore buccale est déjà tellement toxique que la nature préfère ne pas nider l'œuf parce que l'enfant va prendre cher pendant toute sa vie. Comprenez ? Donc, quand des femmes, si vous, dans les auditeurs, il y a des femmes qui n'arrivent pas, qui font des fausses couches, etc., moi, je les invite à manger paléobiotique. Donc, j'ai trois phases, on verra ça après. Et vous verrez qu'à ce moment-là, l'œuf va pouvoir se nider si elle corrige ça. Parce que quand on corrige l'alimentation, c'est la flore buccale, mais c'est aussi tout notre environnement. Et on mange avec notre bouche, pas avec nos yeux ni nos oreilles. La nature a fait qu'on mange avec notre bouche. Et que toute cette imprégnation enzymatique et autres va être en relation directe. Et donc ces microbiotes vont faire qu'il y a certaines personnes, je peux comprendre puisque nous avons des amis communs qui sont végétaliens, donc je l'ai été moi-même d'ailleurs pendant 3 ans parce que moi c'est un régime qui me conviendrait très très bien en termes de philosophie, en termes de pacification, etc. Sauf que... Il y a eu des problèmes de dents. J'avais des dents, mais c'était effrayant quoi. Le dentiste à 15 ans, qu'est-ce que j'ai souffert. Et donc... Quand on a un microbiote dégradé déjà in utero ou dès la naissance, puisque je suis née par césarienne, élevée au lait de vache, élevée au gluten comme beaucoup d'enfants aujourd'hui, eh bien si des gens qui ont déjà une flore pathogène, une dysbiose, se mettent à être vegan, là ils risquent d'avoir des gros gros problèmes. Donc, quels sont les signes d'une microbiote qui n'est pas en bonne santé? Alors, comment on pourrait savoir? Parce que je sais que tu préconises certains tests, etc. Mais est-ce que juste là, de chez nous, au quotidien, on peut un petit peu savoir où on en est? Alors, ça peut se voir sur la figure. On a un teint terreux. On a la peau sèche. On a les cheveux cassants. Les ongles cassants. On a souvent des rhumes, des problèmes inflammatoires. Parce que une dysbiose, ça crée de l'inflammation. Alors l'inflammation... Dysbiose. Oui, on appelle ça la dysbiose, c'est-à-dire la flore intestinale qui est toxique.
On appelle ça dysbiose intestinale. Voilà, encore un petit jargon qu'il va falloir s'entraîner à comprendre. On est là pour ça, Marion. On est là pour ça, médicien co-créateur. Donc, la dysbiose intestinale peut créer des phénomènes inflammatoires. Ouais. La fameuse grippe, les rhumes, les bronchites, tout ce qui est en it, d'accord, c'est de la dysbiose. Mais aussi, c'est des inflammations chaudes, mais il y a des inflammations froides. Les problèmes articulaires, les polyarthrites, les fibromyalgies, les migraines, tout ça c'est froid. Et tout ça vient de la dysbiose. Moi je suis une ancienne migraineuse, hein, m'a resté 3 jours au lit, à vomir, à demander à ce qu'on baisse les stores parce que la lumière me faisait vomir. C'était à ce point-là. Hein. Je reviens de très très loin. La constipation, ça a l'air d'être un truc classique chez les femmes, parce que j'ai un côlon qui est un petit peu long. Mais dans ma famille, on disait que c'était génétique, puisque toutes les femmes dans notre famille étaient constipées. Ben moi, je dirais que toutes les femmes de ma famille étaient intolérantes au gluten et étaient dans la malbouffe d'aujourd'hui. Alors là, on ne veut pas faire l'amalgame quand même entre gluten et régime sans gluten et régime paléobiotique. Donc, quelle est la différence? J'ai pas compris, là. Oui, non. Parce que paléobiotique, au temps du paléo, on ne mangeait pas de céréales. Les céréales n'existaient pas. Le blé, le riz, le maïs, tout ça, ça n'existait pas au temps du paléo. Ils n'en mangeaient pas. Il faut bien comprendre ça. On était végétariens, donc je reviens. On était 70% végétariens et on mangeait des petits animaux. Mais aussi, parfois, il y a un mammouth qui passait et on en avait pour plusieurs mois à manger. Ça, c'était vachement bien. Donc, on a appris à faire sécher la viande, à la faire fermenter. Mais aujourd'hui, nos intestins seraient incapables d'assimiler ce que nos ancêtres assimilaient. Parce que les fibres étaient dures et ils mangeaient des fois des viandes, mais pourries. On crèverait de septicémie aujourd'hui. C'est ça. Et c'est une de mes questions. Je me demandais, tu sais, en lisant ton livre, si justement, quand on s'habitue à ne plus manger de gluten, bon, on refera une autre vidéo là-dessus et à changer notre alimentation comme ça, si après, ou plus de lactose, plus de lait, je sais que tu préconises aussi ça, plus de lait de vache, bovin, mais après, comment notre organisme n'a plus l'habitude de gérer ces aliments-là, ces ingrédients-là, et finalement, on n'est pas en train de nous-mêmes se créer des autres soucis qu'on n'avait peut-être pas avant. Tu vois ce que je veux dire? Oui et non. Alors regarde, le fumeur, je te fais, voilà, parce que le corps s'habitue. Quand tu fumes ta première cigarette, on a tous essayé, moi je ne fume pas, mais j'ai crapoté à l'âge de 15 ans pour faire bien la sortie du lycée, comme tout le monde. Donc on prenait les cigarettes les plus chères pour faire bien, tu vois, et vas-y que j'essaye d'avaler la fumée, ça brûle, ça donne la tête qui tourne, c'est horrible, non? La deuxième, pareil, la troisième, mais il y en a qui passent outre ces douleurs, qui vont finir par habituer l'organisme. C'est la phase d'adaptation. Mais c'est pas parce que je m'adapte à un poison que c'est pas un poison pour moi. D'accord? Ce qui fait qu'après, quand t'es fumeur, ça ne te fait plus tousser, ça ne te brûle plus, t'as plus la tête qui tourne. Au contraire, t'es plutôt stimulé au niveau des neurones. T'as l'impression de respirer, mais ça t'empoisonne et tu finis avec ton petit cancer de la vessie ou du poumon ou du côlon d'ailleurs. Et donc, on est en train de s'apercevoir que c'est un vrai toxique. Quand tu ne manges pas de homard pendant 6 ans, je peux te dire que si tu remanges du homard, tu n'auras aucune réaction. En revanche, le gluten, surtout le gluten d'aujourd'hui, mais on va dire ça dans l'autre conférence, c'est que... Dans notre interview, hein, Mario. Dans notre interview, pardon. c'est les automatismes. Eh bien, c'est un tel poison aujourd'hui. Parce que le blé d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le blé d'il y a 10 000 ans. Mais rien. Puisque s'il avait 10 chromosomes ou 12, il en a plus de 40 aujourd'hui. Et il a des dizaines et des dizaines de fois plus de gluten, qui est une protéine glu. T'entends, la glu, la colle. Ça colle l'intestin, mais ça colle les boyaux de la tête. C'est pour ça que la dépression, elle sert dans l'intestin. Et comme par hasard, quand on retire cette molécule, les gens vont mieux. Ils vont mieux. Pour l'étage, alors, quand on le supprime et qu'on le remet en place, parce que ça fait partie du régime paléobiotique de prendre des produits lactofermentés, c'est bien ça? Oui, mais lactofermenté et le laitage, ça n'a rien à voir. Hein. Explique-nous bien. Voilà. L'acide lactique, il est fabriqué par les bactéries avec du chou, par exemple. La choucroute, c'est du lactofermenté.
Il y a, même s'il y a le mot lait, c'est pas du lait. Hein. Le lacto-fermenté est excellent. Donc, dans la fermentation, là, on est dans la fermentation. Voilà. Là, on est dans la fermentation. Donc, le lacto-fermenté n'a rien à voir avec le lait. D'accord. Manger lacto-fermenté, c'est excellent. En revanche, le lait d'aujourd'hui, moi, par exemple, je reprends de temps en temps du comté de Marcel Petite. Je donne cette marque parce que ce sont des vaches élevées en alpage, à l'herbe, et ça m'arrive de manger du comté et je n'ai aucune réaction. Ça m'arrive de manger la crème fraîche, Bernard Gabory, je cite des marques parce que je suis sûre d'eux. C'est-à-dire, ce sont des vaches, c'est une race qui s'appelle Jerseyaise, qui fabrique des oméga-3 à partir de l'herbe, qui sont super bien élevées, etc. Donc, on peut y aller les yeux fermés. Eh ben, j'ai aucune réaction quand je mange de la crème comme ça, alors qu'avant, je pouvais avoir des migraines. Je mange même son beurre. C'est vrai que parfois, je vais le faire... j'enlève le lactose, vous savez, quand on l'appelle le beurre clarifié. On enlève les petites particules blanches qui contiennent le fameux lactose, qui est un sucre irritant, et la caséine, où il peut y avoir des résidus. Quand on clarifie le beurre, il n'y a plus du tout ni de lactose, ni de sucre. C'est ces deux éléments-là qui posent problème. Voilà. Mais le beurre, aujourd'hui, il faudrait qu'il soit issu de crème crue. Comment déjà ce beurre en Inde, comme ça, c'est ce que tu fais là? C'est le fameux ghee. C'est le ghee. Voilà. Mais le ghee, comme ils l'ont fabriqué il y a longtemps, il est rance. Franchement, c'est dégueulasse. Donc moi, je préfère faire mon ghee moi-même, qu'il soit frais. Je le mets au frigo et il va se garder quelques jours. Parce que si on le fait avant, il rancit. Et franchement, moi, je trouve pas ça bon. Hein. On peut le mettre sur la peau si on veut, mais à manger, c'est pas bon. Mais le ghee vous-même, frais, là, c'est délicieux. Donc, quelles sont les autres pratiques alors, ou les autres éléments ou outils, comme tu dis, de ce régime? Les deux ennemis, c'est toutes les céréales. Eh bien, toutes les céréales, même le riz, dans un premier temps. On pourra réintroduire, en fonction de son microbiote, le riz, le quinoa. Mais dans un premier temps, on retire tout ce qui est amidonné. Donc, ça peut être même le riz, les pommes de terre. Alors, je sais que là, vous entendez, ah, pommes de terre, ah, le riz, aïe, aïe, aïe. Mais ça, c'est pour les gens... On ne retire pas nos patates comme ça, nous, hein. Voilà, sauf, ça, c'est pour des gens qui ont une mauvaise santé, qui ont un problème de flore intestinale, qui ont un problème de surpoids ou qui ont un problème de maladie auto-immune. Je leur conseille de se mettre en phase 1 et la phase 1 va durer jusqu'au moment où ils iront mieux. Ça, c'est la détox, la phase de détox. Phase de détox, ça peut durer plus ou moins longtemps. Moi, elle a duré des années chez moi. Et comment tu sais que tu es à la fin d'une session de détox? Bah parce que là, quand je remange un peu, je me fais des pains de sarrasin, je me mange un peu de fromage de vache de chez Marcel Petit, des très bons fromages, etc. Et j'ai plus de réaction. Oh, parce que j'ai ballonné toute ma vie. Je suis à l'aube de mes 60 ans et j'ai ballonné toute ma vie, même en mangeant bio, en mangeant cousmine, en mangeant ce que vous voulez. Seignalet, ça allait mieux, mais comme il acceptait le riz et le sarrasin, je ballonnais quand même. Donc on fait pas de, on n'utilise pas la farine de riz dans le pain sans gluten, parce qu'il y a des petites recettes, je sais que tu nous donnes, mais qu'est-ce qu'on met alors? En phase 1, on fait le pain paléo qui est à base de poudre d'amande. Il peut y avoir un peu de farine de coco. On utilise la graisse. Farine de coco, c'est bon ça? La farine de coco, c'est extraordinaire parce que c'est un pouvoir d'absorption incroyable. Ouais. Ça ne sent pas le coco, parce que moi je suis pas fan du coco. Hein. Ouais. Mais quand on le cuisine, on sent pas le coco. Parce qu'il suffit qu'on l'amalgame avec d'autres éléments et hop, le coco disparaît. Donc, il y a plein de gourmandises que j'ai mises dans le livre, avec justement des poudres d'amandes, avec des avocats, avec à la place du sucre, parce que le deuxième élément à supprimer totalement, c'est le sucre, sous toutes ses formes. Donc, ennemi and number one. Voilà, sucre, sirop d'agave, sirop de tout ce que vous voulez, miel, tout ça, on retire. Hein. Miel? Ouais. Arrête, les petites abeilles. C'est quoi le problème avec le miel? Le miel, c'est du sucre. Donc, quand on a un problème de pancréas, de maladie auto-immune, cancer, même le miel, on l'évite. Hein. Donc, c'est pour ça, dans la phase détox, même le miel, c'est exit. D'ailleurs, les chasseurs-cueilleurs, quand ils tombaient sur du miel, il fallait qu'ils se bataillent avec les abeilles parce qu'ils n'avaient pas des ruches à l'époque, ni de quoi se protéger. Et ils en trouvaient comme ça de temps en temps. Donc, le miel, si vous voulez, si vous n'avez pas de maladie, vous pouvez en manger, mais pas tous les jours. Attends, notre cerveau est quand même beaucoup plus développé, on n'a pas la même activité, on est censé sur Internet, sur les ordi, on va à fond la caisse, le stress a augmenté. Donc là, je suppose qu'il y a aussi des éléments que tu conseilles pour nourrir ce cerveau, pour qu'il soit à jour. Alors, faut comprendre que tout, absolument tous nos aliments finissent par se transformer en glucose. La viande se transforme en glucose.
Les végétaux se transforment en glucose. Donc vous n'avez pas besoin d'apport extérieur de sucre pour fabriquer du sucre. On est une usine à fabrication du sucre fantastique. Fantastique. Et d'ailleurs, notre foie, à partir du moment, si je mange trop de sucre par rapport à mes besoins dans mon sang, eh bien, mon pancréas, il va fabriquer de l'insuline pour réguler de façon constante ce sucre. Mais si j'arrête pas de bouffer du sucre, je mange des fruits, je mange du pain, je mange du miel, je mange un petit gâteau, etc. Il y a un tel apport de sucre, c'est comme si il y avait à la porte d'entrée 200 personnes qui veulent rentrer tout d'un coup, c'est impossible. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais mettre des gardiens, hein, je vais mettre des casques bleus à l'entrée, et attendez les mecs, vous rentrez pas tout de suite, parce que sinon, nous, on peut pas faire face à cette invasion. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si ça piétine dehors, c'est-à-dire trop de sucre piétine à la porte de la cellule, eh bien, je vais devenir résistante, et je deviens insulino-résistante, ce qui a été mon cas. Et là, au niveau du cerveau, le sucre, c'est ce que tu es en train de nous dire, parce que la question était sur le cerveau, donc est-ce que c'est lié, justement, ça bloque? Non seulement ça bloque, mais on va faire de l'hypoglycémie. Et c'est les prémices du diabète et du coma diabétique. Donc avant de tomber diabétique, on est d'abord insulino-résistant. Et si on devient insulino-résistant, ben revenir en arrière, c'est très compliqué. Moi, je me suis amusée à acheter un petit appareil que vous pouvez acheter en pharmacie, hein, un glycomètre, qui permet, vous mettez une petite goutte de sang, clac, c'est instantané, en 5 secondes, vous avez le résultat. Et j'ai suivi la glycémie pour voir. Après le sport, après un stress, après avoir mangé ne serait-ce qu'une orange, après etc. C'est littéralement incroyable. Et il faut savoir que le blé, donc ça je ne l'ai pas fait sur moi parce que je n'en mange réellement plus, mais sur mon compagnon, eh bien le sucre, la glycémie monte plus haut que le sucre et plus longtemps. Et quand on fait monter haut le sucre et plus longtemps, eh bien il y a une fabrication dans votre corps de ce qu'on appelle des protéines glyquées. Les fameux AGE. Et les protéines glyquées, c'est comme si vous caramélisiez dans votre sang. Et ce caramel, il se met sur vos yeux. Il va fort avec tes termes. Ah non, mais bah, comme ça, on comprend. Sur vos reins, sur tous vos organes nobles. Et c'est d'ailleurs les problématiques des diabétiques qui peuvent devenir aveugles, qui ont des problèmes de surrénal, etc., etc. Donc, prenez soin de votre pancréas. Si vous n'êtes pas malade, je dirais, mangez plutôt paléobiotique phase 3, donc il y a une troisième phase qui est beaucoup plus tolérante, parce que dans la phase 1, même les lentilles et les pois chiches, on les a retirées. Ça n'existait pas au temps du paléo. Donc il reste en gros, juste brièvement, pendant la période de détox 70% de légumes, on a quand même une variété de légumes. J'en ai goûté un il y a la semaine dernière, qui est un légume oublié, je te le conseille, franchement, cuit à la vapeur, parce que dans l'eau, ça n'a rien à voir. Ça s'appelle le cerfeuil tubéreux. Oh, j'ai cru, j'ai mis un petit peu de beurre et de sel dessus, après l'avoir cuit. J'ai cru manger une crêpe Suzette. Ça avait le goût de la crêpe Suzette. Donc, plein de légumes. T'es vraiment en manque. Ah oui, les crêpes Suzette, qu'est-ce que c'est bon. Mais moi, quand je mange du gluten, j'ai 3 semaines de spasmes intestinaux. Donc, c'est fini ça. Il y a des gens qui peuvent être tolérants au gluten. C'est-à-dire, une fois que la période de sevrage est faite, qu'ils ont perdu leur poids, qu'ils n'ont plus de douleur, qu'ils vont bien, qu'ils ont la patate, qu'ils sont plus fatigués, eh ben pourquoi pas en remanger de temps en temps. Et à ce moment-là, mais tapez-vous vos crêpes Suzette et ça ne vous fera pas de mal. Et dans la détox, 70% de légumes et quoi d'autre? 70% de légumes et 30% variés entre protéines et graisses. Donc les protéines, ça va être des œufs, ça va être des escargots, ça va être du poisson, ça va être des oiseaux, donc ça peut être un canard irréprochable. Il faut des animaux irréprochables. Hein. Et éventuellement une viande de mammifère, mais moi je déconseille le mammifère, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas d'où il vient, mais si vous tombez sur un élevage irréprochable, rien ne vous empêche de vous manger une côte de bœuf une fois par mois ou une fois par an d'une viande irréprochable. Il y en a, hein. Il commence à y avoir des bouchers paléo. Mais on t'a pas encore entendu parler du poisson. Ils sont où les petits poissons dans tout ça? Ils font partie du oui. Ah oui, poisson. Et justement, moi j'encourage pour ceux qui sont véganes et qui veulent absolument pas manger d'animaux, tapez-vous une fois par an un bon plateau de fruits de mer.
parce que vis-à-vis de la B12, vis-à-vis de certains acides gras qu'on trouve que dans les poissons, pas dans les végétaux. Surveillez-vous, mais si vous êtes bien en accord, que vous ne ballonnez pas, que vous ne gazez pas, que vous avez un bon transit, que vous avez une bonne énergie, il y a des personnes qui peuvent aussi ne plus manger du tout. Mais c'est très rare. Donc là, je mets en garde les gens de prendre de la spiruline pour éviter les carences et de temps en temps de prendre des oméga 3 d'origine animale. Il y a tellement de choses, on ne peut pas tout couvrir là maintenant. Je voulais en plus parler des thérapies. Tu parles de thérapie paléobiotique. Parle-nous-en un petit peu de ça. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un comportement alimentaire. On a tous dévié et on est tous, surtout quand on a une maladie, on est accro à ce qui nous empoisonne, il y a le sucre et le blé. Et donc, il y a une méthode qui s'appelle la méthode MER, M2ER, Nathalie MER, qui a créé une méthode de coaching pour se pacifier par rapport à son alimentation et elle a de très, très bons résultats. Il y a aussi la cure détox, on n'a pas cité son nom, je le cite là ou pas? Bon. open space. C'est la cure Clark, Udla Clark, qui m'a été confiée par sa plus proche élève qui a vécu des années avec elle. Et Udla Clark lui a dit, écoute, je te transmets tout mon savoir et à toi de le transmettre. Parce qu'il y a des fois des déviances de cette cure qui peuvent être trop brutales. Et donc, on a mis au point cette cure en expliquant bien les bémols qu'il fallait avoir, dans quel type de cas elle était déconseillée, etc. Parce que c'est vraiment une cure détox, ça c'est clair. Parce que ça élimine le biofilm. Qui sont des bactéries qui mangent à votre place, donc comme les candidats, le bican, etc. Donc c'est très très bénéfique dans ces cas-là. Il y a aussi une cure de nouveaux produits parce que c'est un alchimiste qui a mis au point à partir de plantes fraîches, d'huile essentielle gélifiée. Ça c'est son secret de fabrication. C'est dans des petits pots que vous mettez au frais et ça a une efficacité extraordinaire. Mais au départ, il travaillait que sur l'animalier. Donc il fait gagner des chevaux, il travaille beaucoup avec les chevaux, hein, mais aussi avec les chiens, etc., qui commencent à avoir les maladies des humains. Et il vient d'ouvrir un département humain, c'est le laboratoire LOEN, LOETREMAN. Monsieur, il s'appelle comment ? Il s'appelle Lionel Courteau, mais je ne sais pas si on le voit sur le site. Et je dois dire que pour avoir testé ces produits, c'est miraculeux. Hein. Je prends ça le matin, hop, on chouette. Ah oui, par exemple, quand je viens à Paris, j'ai toujours un petit pot de détox avec moi, parce qu'à Paris, quand même, il y a pas mal de pollution, je mange pas comme je veux partout, les petits déjeuners dans les hôtels, c'est juste impossible, donc c'est compliqué. Mais pour des problèmes thyroïdiens, par exemple, j'ai eu des gens qui avaient des Hashimoto ou des hypothyroïdies, on n'est pas obligé de prendre des médicaments lourds, parce que vous le savez que ce genre de médicaments, une fois qu'on a commencé, c'est à vie. Parce qu'ils se substituent à nos hormones naturelles. Hein. Tu nous reparles aussi des petits champignons, deux secondes. Alors, il y a bien entendu les champignons du docteur Bruno Donatini, qui sont une association d'un champignon qui sont poussés sur écorce de bouleau, parce que l'écorce de bouleau est bourrée de bioflavonoïdes. Et il faut savoir que dans la nature, ce qui a résisté à travers tous les millénaires, c'est les champignons et les arbres. Parce que les arbres, justement, ne sont pas contaminés par les bactéries. Et donc, en associant l'écorce de bouleau avec du mycélium de champignon, c'est du Lethyporus soufré dans ces cas-là, et certaines huiles essentielles, on arrive, tout en changeant d'alimentation, hein, à lutter contre des dysbioses. Une fois que la flore intestinale est revenue bien, on peut très bien manger des lactofermentés. Certains probiotiques que j'ai cités dans mon ouvrage, comme le K-Philus, qui est un yaourt de brebis. Je déconseille la vache et la chèvre, parce que la chèvre, ça ne marche pas. C'est bizarre, hein. Celui à brebis marche très bien, on l'a testé. Hein. Et le K-Philus sont des souches très très intéressantes qui ont été mises au point par une ingénieure agronome il y a plus de 30 ans, Madame Klein, que j'avais rencontrée. Elle avait déjà 80 ans, donc je pense qu'elle n'est plus avec nous. Mais ils ont continué sa recette et c'est un probiotique qui m'a fait sauver la vie de certaines personnes qui étaient très maigres et qui n'arrivaient plus du tout à assimiler. Et c'est très intéressant. Et tout ce qui est formule prébiotique, probiotique, qu'on peut trouver maintenant, il y a des laboratoires, Pliège ou je ne sais plus quoi, enfin, qu'on peut prendre et en complément, non, ça, qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, je suis en train d'en tester, ça ne me fait rien du tout. Moi, je conseille vraiment, les prébiotiques, c'est quoi ? C'est les légumes. Mangez des légumes vapeur, parce que si vous ne prenez que des jus de légumes,
Vous n'avez pas les prébiotiques. Parce que les prébiotiques sont associés aux fibres. Et quand on ne mange que les jus, il nous manque les fibres. Donc bien sûr qu'on peut prendre des jus. Moi, j'en prends plusieurs fois par semaine, de légumes. Mais associés toujours avec des légumes. Le problème des crudités, c'est que beaucoup de gens qui ont des problèmes intestinaux de ballonnement ne les supportent pas. On va attendrir la fibre à la vapeur. Tu le sais bien que je préconise la cuisson vapeur. Et le vitaliseur de Mario Caplan. Bah oui, parce que ça permet de manger plus de légumes. Faut savoir que du temps du paléo, ils mangeaient 1,3 kg à 1,5 kg de légumes par jour. C'est énorme. Et ils mangeaient environ 700 grammes de protéines, ce qu'on ne mange pas. Mais donc on peut manger moins de protéines aujourd'hui. Mais mangeons autant de légumes parce que notre microbiote n'a pas pu évoluer. Il faut 70 000 ans pour faire évoluer 0,2% d'un gène. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est des anthropologues, Jean-Jacques Hublin de l'Institut Max Planck à Leipzig. Moi, je ne fais que vous redonner ce que des scientifiques ont mis leur vie à étudier. Ce n'est pas moi qui ai la science infuse. Je ne fais que vous passer le message. Et en passant ce message, bien entendu, moi, je l'ai vécu de l'intérieur, puisque j'ai toujours tout testé. Quand arrive quelque chose, il y a eu les histoires d'intolérance alimentaire, etc., le docteur D'Adamo, tout ça. J'ai tout testé. Et c'est pour ça que paléobiotique, pour moi, c'est le résultat non seulement des expérimentations, mais de toutes les dernières études les plus pointues. Il semblerait qu'il y a aussi un travail intérieur à faire pour avoir interviewé aussi Church Dawson qui était à ton congrès ou je pense à Dr Joe Dispenza qui a écrit « Vous êtes le placebo », tout ça. Il y a un travail aussi au-delà de ce qu'on mange, de conscience, de prise de conscience et de visualisation, voire même pour faire que son corps aussi commence à développer toute cette pharmacie, parce qu'on est sacrément équipé aussi. Hein. Au-delà de ce qu'on met dans le corps, c'est ce qui se passe. Là, c'est ce que tu préconises, c'est de l'intérieur vers l'extérieur plutôt que l'inverse. Alors, notre esprit, c'est le plus fort médicament, c'est un laser, c'est d'une efficacité extraordinaire. Je peux citer par exemple un exemple. J'étais en train d'accoucher de ma fille et je vois dans les yeux du gynéco que ça allait mal se passer parce qu'elle arrivait à l'envers. Et il m'a dit, écoutez, vous avez 10 minutes pour qu'elle se retourne. Waouh, le stress, sinon on ouvre. Oh, comme ma mère a toujours eu des sériennes, je disais non, je vais pas faire sans moi, je vais pas faire pareil. Eh bien, avec mon esprit, j'ai communiqué avec ma fille, parce que je savais que c'était une fille quand même. Je dis, s'il te plaît, Marine, retourne-toi. J'ai vraiment tellement mis de puissance dans cette communication intra-in-utéro que ma fille s'est retournée et j'ai pu accoucher. Donc, si on a ce pouvoir-là, tout le monde le sait, qu'à partir du moment où il y a des gens qui ont frôlé la mort et qu'à partir du moment où ils ont pris une décision, où ils ont fait un retournement, on guérit, c'est clair. Ça, d'accord. Mais nous avons un chemin, c'est des chemins de guérison, et ce chemin, c'est de se respecter. Si je ne respecte pas ce que je mange, si je ne respecte pas mon corps, de toute façon, dans ma biologie, ça va déraper. À partir du moment où je suis alignée, c'est pour ça qu'on peut être totalement végane, mais à ce moment-là, ce ne sont que des gens alignés, c'est-à-dire qui se sont intériorisés, qui se sont pacifiés, qui ne sont pas en guerre avec le monde extérieur. Parce qu'il y a, moi j'ai vu des véganes, d'ailleurs il y en avait une qui était à mon congrès, et elle a écrit un livre remarquable, mais je me suis aperçue en la voyant qu'elle était en guerre encore contre le monde extérieur. Et ça, c'est pas juste, parce qu'elle sera toujours malade, parce qu'elle est en guerre. Il faut être en paix, et à partir du moment où on est en paix avec l'intérieur de soi, avec le monde extérieur, avec sa famille, que ce soit sa famille proche ou sa famille humaine, à partir du moment où on a compris qu'il y a des choses qui nous concernaient et qu'il y a des choses qui ne nous concernaient pas, c'est pas nos affaires, on ne réglera pas les problèmes du monde entier. Réglons déjà notre propre monde, changeons notre vision du monde et le monde extérieur sort, change. C'est extraordinaire. J'ai une personne il y a 2 jours que je connais depuis 30 ans, il est au RSA, il galère. J'ai dit, mais t'as pas fini avec ça. Et je lui ai fait comprendre qu'il avait un lien avec quelqu'un à qui devait encore de l'argent et qu'il me dit, ouais, mais pour moi, j'ai payé, tata. J'ai dit, oui, mais t'es pas en paix par rapport à ça. Et je l'ai coaché par rapport à ce petit filament qu'il accrochait avec cette personne avec qui il était finalement encore dans, ouais, non, c'est croisé, on s'est... Je lui ai dit, t'as un pardon à faire et peut-être que cet homme, c'est ta mère que t'as en face de toi. Donc, c'est clair que t'as un pardon. Oui, tu nous expliques ça, mais bon, oui, mais ça, la plupart des co-créateurs... Ça, c'est un prochain livre au mois d'avril qui va sortir chez Jouvence. Mais c'est très, très important.
on est multifacette. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient nous déranger, qui vient nous chercher, moi, je résous tout de suite le problème. N'attendez pas. C'est que c'est en lien avec votre enfance. Et on a tous ces problématiques entre 0 à 10 ans. On aurait tellement aimé que nos parents nous disent « Ah, oh, je t'aime, ma petite, je suis fière de toi. » Et combien ont été « Ouais, c'est tout ce que tu nous ramènes. T'as un 15, j'aurais voulu un 17. » Vous voyez, bon, ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais il y en a tellement qui ont été dévalorisés, maltraités, pas aimés, ou à l'époque, moi, ma mère est née dans les années 30, donc à l'époque, on disait pas « je t'aime », c'était malvenu, on était... ça se faisait pas, quoi. C'était, l'étiquette empêchait de, qu'on se rembrasse, qu'on se... C'était comme ça dans ma famille, on s'embrassait pas. Dire « je t'aime », c'était déplacé, c'était vulgaire. Vous vous rendez compte ? C'est incroyable, incroyable. Donc, paléobiotique et faire le travail intérieur pour régler ça, parce que de toute façon, après, on pourra absorber ce qu'on veut et de la bonne nourriture. Si on ne fait pas ce travail intérieur, hein, les résultats ne seront pas là de toute façon. Tout à fait. Et il y a des travaux qui sont faits sur l'eau. J'en ai retracé avec Marc-Henri. Mais il y a des gens qui vont encore beaucoup plus loin. Et on sait qu'avec notre esprit, on peut dynamiser cette eau. On peut la rendre presque de l'eau miraculeuse. On a des images là-dessus, on l'a d'ailleurs vu au congrès avec Georges Vieille-Dent qui démontre comment, rien qu'avec une pensée sur l'eau, moi j'ai des photos sur mon ordi, où on montre qu'une eau du robinet qui a une image dégueulasse, en 5 minutes, moi j'ai fait une petite pratique qu'on appelle Ho Oponopono, que ça, j'ai joué avec ma goutte d'eau. C'est devenu une eau rayonnante, incroyable. Donc vous imaginez le pouvoir de la pensée, quoi. Et quand on le voit se matérialiser devant nous et au microscope, là, ça commence à vraiment faire tilt dans le cerveau, parce que sinon, c'est que des pensées. On n'arrive pas encore à voir le résultat et le pouvoir qu'on a. Ben, merci Marion, merci beaucoup pour cette belle interview. Au plaisir de te retrouver. Hey Lilou, merci. Écoute, je crois que tu es une des personnes que j'ai le plus interviewé. Non, peut-être pas, mais quand même, on en a quelques-unes, hein, depuis notre rencontre grâce à Thierry Soucar, justement, qu'on salue, puisqu'il est, il est ton éditeur de nouveau. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, mes délicieux co-créateurs ? Ben, regardez la prochaine partie de cette vidéo. Enfin, c'est une partie un petit peu à part, mais enfin, c'est quand même lié. Le gluten, hein. Très important, le gluten, ne pas manger de gluten. Mon Dieu, on va y aller. Allez, on va... Tout le monde en parle, donc c'est parti. On va vous faire un récapitulatif de tout ça, parce qu'il y a plein de choses qui sont dites, il y a peut-être des petites vérités ou des choses qui ne sont pas tout à fait cohérentes, et on va remettre... On va parler de tout ça. On vous embrasse très très fort de Paris, et à très vite. Merci Marion. Au revoir.